Hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle vous participez énormément et ça, c'est cool. Ces derniers jours sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait une petite trend bien sympa. En fait, les gens demandaient aux abonnés de leur dessiner des inspirations de make-up sur Instagram Stories avec l'outil dessin et ensuite ils devaient recréer le make-up. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est exactement ce que je vous ai demandé de faire hier sur Instagram. Je n'ai pas encore regardé vos messages, on va le faire en direct. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher, parce que clairement je sais pas à quoi m'attendre. Il faut que je fasse vite en plus, parce que je vous avoue que si pendant cette vidéo vous entendez quelques marteaux piqueurs, c'est juste que il y a des travaux derrière mon mur depuis plus d'un an. D'habitude je filme mes vidéos à la fin de la journée quand les travaux sont terminés, mais là vraiment j'avais la flemme. Les joies de vivre à Paris. Sans plus tarder, on s'en fout, commençons. On a thé à la menthe, je kiffe ce pseudo, qui pose les bases, clairement. En fait, c'est un espèce de poisson. Mais MDR en fait. Mais comment tu veux faire ça? Franchement, je suis grave partant pour essayer parce que là, il y a du challenge, tu vois. Là, il y a. Hey, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes avec des formes par-dessus et. Partons là-dessus pour ce premier make-up. Je ne promets rien, mais on va essayer. Ce qu'on va faire, en fait, il va falloir qu'on mette en place une stratégie là. Je vais prendre la base Anastasia Beverly Hills et je vais la mettre en fonction de la forme du poisson. En gros, on va faire comme un espèce de cut crease. Tac, j'ai pris un pinceau plat. Hein. Je prends un pinceau fin et oui, on va aller jusqu'à faire la queue. Elle l'a fait un petit peu comme ça. En fait, mon poisson, il est trop gros par rapport à la queue déjà. Maintenant, on va passer à la couleur. Elle a commencé par du vert. On va faire le dégradé sur la paupière supérieure d'abord. Enfin, la paupière mobile. J'espère que le fait que j'utilise tout le temps les mêmes palettes, ce soit pas trop chiant. Parce que franchement, de toute manière, j'en ai rien à faire. C'est votre problème. D'ailleurs, je vais plutôt prendre celle-ci de Jeffree Star et Morphe. Je vais prendre le vert ici. Parce qu'en fait, le dégradé, il fait vert, jaune. Vert, jaune. Bref, on commence par le vert foncé ici en coin interne. Il est grave pigmenté celui-là. Ensuite, je prends ce vert-là dans la palette de James Charles. On vient le dégrader avec le premier, comme ceci. Ensuite, je prends un nouveau pinceau avec le jaune. Je kiffe trop l'association de couleurs entre le vert et le jaune. Ça fait très Brésil vibes, tu vois, Rio de Janeiro. Il y a du soleil et des nanas, comme disent les beaufs. Franchement, le dégradé, ça va parce qu'elle l'a vraiment mis genre dans le sens des couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup, chaque couleur se dégrade avec chaque couleur. Je prends le orange ensuite, du coup. Toujours avec le même pinceau, bien sûr, parce que flemme de les laver après. Et alors là, je sais pas si c'est rose ou rouge. Je pense que c'est... On va faire rouge rose. Je prends un pinceau fin et je mélange un rose de la palette Jeffree Star avec le rouge de la James Charles. Vraiment les deux qui peuvent pas se saquer en plus. Et on va repasser par-dessus la première. Parce que la deuxième, je crois, elle est plus foncée. Non mais en fait, notre poisson est mal formé. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de nager avec une nageoire si petite. On fait la paupière inférieure, pareil, avec la même couleur. Et là, on passe à du violet. Donc, je prends celui dans la palette de James Charles, encore. Il est partout, lui. Et je viens faire la nageoire qui a l'air vraiment atrophiée, celle-là aussi. Si vous reconnaissez le poisson, franchement, chapeau. On passe aux écailles. Pour ça, elle les a faites en noir. Mais je trouve que ça passerait mieux en blanc. Après, en vrai, pour qui je me prends, j'en sais rien du tout. Mais c'est mon intuition, tu vois. Pour ça, je vais utiliser les fards à l'eau de chez Norvina. En fait, je savais pas que c'était des fards à l'eau. Et la dernière fois, j'ai fait un live dans lequel je les ai utilisés. Je découvrais le truc. Et vous m'avez tous dit, mais... Enfin, faut pas l'utiliser comme ça. Enfin, faut mettre de l'eau, en fait. Résultat, ça n'avait pas séché, c'était parti dans tous les sens, bref. Aujourd'hui, on va mettre de l'eau et on va prier pour que ça sèche parce que c'est sur la paupière. Et si ça ne sèche pas et que j'ouvre les yeux, il y a intérêt que ça sèche. Et les travaux ont repris. Allez, en pause déjeuner en fait. Comment ça me saouler. Donc j'ai pris le blanc et avec un pinceau très fin, je viens faire... c'est pas des écailles. C'est des points, ouais, mais c'est pas des écailles. Bon, ça sèche, du coup, c'est cool, mais c'est moche. Du coup, on va délimiter avec un trait blanc juste tout autour. Bah écoutez, c'est cool de faire des formes abstraites comme ça. Qui a parlé de poisson? On a juste parlé de forme, c'est tout. On va faire les bulles avec un liner de chez Fenty Beauty, c'est le bleu. Bah, au moins, les bulles, je les ai réussies, quoi. C'est déjà ça. Elle a mis du rose en coin interne, du coup, je vais tout simplement prendre un highlighter un peu rosé. J'en utilise pas beaucoup de cette teinte, mais du coup, dans mon tiroir, j'ai trouvé un tube de gel iridescent de chez Primark. J'espère que ça va faire l'affaire. Oh la vache! Faites-moi voir ça.
Ah. Je suis dubitatif. Très dubitatif. Y'a rien en fait. Bon, on va prendre cette palette de chez Make Up Revolution. Avec. Je sais pas. Non plus. C'est une farce. Vous savez quoi? On va finir par prendre celui-là. En fait, on va tout mélanger. Et bah voilà. On arrive à quelque chose de. Intéressant quoi. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait le deuxième œil, bah c'est tout simplement parce qu'elle a pas dessiné le deuxième œil. Donc je fais pas le deuxième œil. C'est aussi surtout parce que j'ai la flemme. Mais elle a pas dessiné le deuxième œil. Donc je vais faire un petit truc quand même dessus et je reviens. Franchement, j'ai pas les mots. La vérité, on va passer vite fait au make-up suivant parce que là franchement, c'est même pas du tout à cause du dessin, franchement, en vrai le concept est grave cool, mais c'est juste que je sais pas, j'ai pas les mots. Anyway, next. I'm back, bitches. Nouveau jour, nouveau make-up. J'ai essayé de filmer cette vidéo tout en un seul jour, mais le deuxième make-up n'a pas vraiment réussi. Du coup, je retourne cette deuxième partie. Espérons que ce sera mieux. Enfin, tu me diras, le premier make-up était pas ouf non plus. Mais on n'a pas que ça à faire. Anyway, on va se retrouver encore sur Instagram. Alors, on a Ashley Beauty qui a fait un concept, je kiffe trop les formes. Bon, j'ai pris le temps de réfléchir pendant une dizaine de minutes et je reviens avec ma petite idée. Donc en fait là son make-up il est divisé en trois parties différentes. Il y a le gros liner violet avec les petites vagues au-dessus et en dessous et avec les petites étoiles tout autour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer avec la base. Je vous apprends toujours rien. Anastasia Beverly Hills, comme d'habitude. En fait, on vient faire exactement la même chose que pour le poisson. Maintenant, je vais prendre la palette Morphe et Jaclyn Hill. C'est la volume 2 avec le violet ici. En fait, je pense que ce violet, il est un peu trop foncé. Du coup, on va le mélanger avec le deuxième. Et on va venir tapoter partout. Pour le mettre correctement, enfin bien uniformément quoi. Maman, il est tellement pigmenté. En fait, on va venir mettre le plus clair au centre de la paupière. Et tout le contour, on va le faire un peu plus foncé avec l'autre teinte. Je viens faire la paupière inférieure avec celui-là. On va essayer de raccorder correctement avec le bas ici. Et comme d'habitude, j'ai oublié de mettre du crayon dans la muqueuse. C'est un crayon de Urban Decay. Il est pailleté, il est vraiment trop beau. C'est le Glide on Eye Pencil en teinte vipère. Je l'utilise tellement que c'est le premier crayon de maquillage que je dois tailler. Je vais en prendre juste un tout petit peu de noir et je vais en mettre légèrement en coin externe. Je trouve que ça fait toute la différence. C'est quoi ce bébé qui crie dans les escaliers en fait? C'est quoi le délire? Mais faites-le taire en fait. Et on estompe après avec l'autre pinceau. Avec 100. Ça fait la différence. On va venir apporter quelque chose de différent à ce dessin pour amener un petit peu plus de dimension et un petit peu plus de... des paillettes. En vrai, j'aurais pu utiliser un espèce de liner en gel avec des paillettes, mais là, je trouve que il y a vraiment besoin de paillettes. Paillettes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé des comme ça, mais on va prendre des NYX en pot comme ça avec une colle. Je prends la colle sur un pinceau biseauté et je viens la mettre. Je sais pas si on met en haut ou en bas. Parce que en vrai, elle a fait un liner noir en bas. Ça peut remplacer le liner noir. Hein. On va faire en haut. Je viens tout simplement passer par-dessus le violet avec la colle, comme ça. Forcément, ça prend beaucoup plus de temps que juste un petit liner gel, mais le résultat sera beaucoup plus là. Ça veut rien dire, cette phrase. Une fois que c'est fait, on peut prendre les paillettes. Moi, je prends les Beauty Beam. J'ai mis juste un tout petit peu de colle sur mon pinceau pour qu'elle puisse accrocher dessus, et je viens tapoter par-dessus la colle. Et là, oh mon dieu. Non mais c'est dingue, je suis désolé, mais c'est... Oh, c'est ouf. Si vous avez mis la colle correctement, c'est censé faire une ligne droite parfaite. Franchement, la vérité, on pourrait s'arrêter là. Je kiffe ce make-up. Mais on passe désormais à la partie liner. Et pour ça, je prends un liner Marc Jacobs que j'ai pas encore testé et ils ont l'air vraiment beaux. C'est des liners métalliques et donc là, c'est la teinte... Il y avait de teinte. Ah, Blitzcoin. Coin. C'est un espèce de bronze et donc on va venir délimiter le contour du cut crease avec celui-là. On va venir faire la petite boucle qu'elle a fait sur les yeux. On vient faire en dessous aussi. Et pour le deuxième, je prends le lila de chez Fenty Beauty avec un pinceau parce que leur pinceau, il est trop gros. Et je viens passer par-dessus. Je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. J'ai terminé les yeux, mis les faux cils. On va, je pense, skipper l'étape des étoiles parce que je pense que ça fera vraiment too much. Mais ceci dit, on va passer aux lèvres. Je prends un gloss de chez Wet n Wild. C'est un gloss assez... violacé avec des paillettes bleutées. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va mettre en tant qu'highlighter. Pareil, je vais en prendre un que j'ai jamais testé encore mais qui me fait de l'œil depuis tellement de temps. C'est le Ofra en collaboration avec Nikki Tutorials. Il est
ouf. En fait, on le voit pas tellement il est blanc. Il a des reflets bleutés tellement magnifiques. Franchement, j'ai peur. J'ai peur, j'ai... Oh mon dieu, elle a grave pas rigolé en fait. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Franchement, on a débuté avec un make-up pas vraiment ouf. Là franchement, je suis grave content de ce make-up. Je pourrais même dire qu'il rentre dans mon top 10, voire top 5 des meilleurs make-up beauté que j'ai pu faire. Je dis bien beauté, pas artistique. Un grand merci pour tous vos dessins parce que franchement c'était grave cool. Je pense qu'il faut refaire cette vidéo. Faut refaire un épisode 2 en fait, parce que franchement niveau créativité c'est dingue. Donc suivez-moi sur Instagram pour être au courant quand je ferai éventuellement un deuxième appel au dessin. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Flush Mirabilis. J'ai vraiment adoré cette vidéo. Tout ce que tu dis fait vraiment réfléchir et passe un beau message. Merci à toi. Merci infiniment à toi pour ton commentaire. C'est un commentaire qui était sous la dernière vidéo. Vous avez été moins nombreux que d'habitude à la regarder. Mais c'est bizarre parce qu'il y a eu énormément de commentaires dessous. Et énormément de commentaires justement très positifs. Surtout sur le fait que cette vidéo vous a fait beaucoup réfléchir. Et c'était clairement le but. Donc merci infiniment à vous. Ça me touche énormément, vraiment. Donc si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine normalement. Et en attendant, je vous fais plein de gros... bisous!